Hey, salut à tous et à toutes les amis, c'est Icar et on se retrouve aujourd'hui devant la boutique puisque, comme vous pouvez voir en haut à droite, j'ai 2800 V-Bucks et j'ai le créateur soutenu Bokuni, voilà, parce que comme ça je glisse un petit peu le mot. Et sur ce, les potos, aujourd'hui on est là pour la nouvelle tenue, donc Ocelot. Donc voilà les potos, Ocelot, franchement elle est magnifique. Tout le monde disait que elle était vraiment moche et du coup c'était la lynx du bled, et franchement ça va, franchement elle est jolie, surtout comme ça avec ce petit truc là, franchement elle est sympa. Du coup les potos, comme vous pouvez voir, donc il y a diverses couleurs pour ce skin. Il y a également du coup la sacoche miaou. Est-ce que la sacoche miaou est personnalisable? Bien sûr, voilà, la sacoche miaou est personnalisable en plusieurs couleurs, exactement comme le skin. Et du coup, il y a la danse qui permet de changer de skin et de couleur pendant les games. Et franchement, ça, j'adore. C'est une innovation de Fortnite, excusez-moi, qui est magnifique. Et du coup, ça part sur acheter directement avec le code créateur Bokuni, bien sûr. Go! Donc voilà, on va s'empresser de l'équiper et on va tester ça en game. Hop, donc bon, vous vous en doutez, je vais lancer ça en fort d'empoigne parce que quand même, je suis vraiment très très nul. Donc go, on va essayer d'aller faire ça histoire de pas mourir dès le début. Voilà. Bon, du coup, comme un teubé, j'ai oublié qu'il y avait la discussion vocale. Hop, j'enlève directement, sinon je vais tomber sur des cassos. Alors, du coup, il y a quelque chose qui s'appelle la chromamorphose. Et oui, donc il y a du coup la petite émote qui est directement fournie avec le skin. Donc au prix de 1500 V-Bucks le tout, je le répète. Et on va tester ça directement. Alors, le truc que je ne sais pas, c'est est-ce que la chromamorphose change également le sac à dos? Ça, je sais pas du tout, j'ignore totalement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir pendant cette game. J'ai juste atterri, hein. On s'en fout un petit peu de la game au final. On est juste un peu là pour constater et voir un petit peu comment est le skin. Hop, on va atterrir là-bas, c'est très bien. Oh merde, j'avais oublié que j'avais cette espèce de chose bizarre, poilue, qui vole. Merde. Bon, on va se limiter à ça. Alors, du coup, déjà le skin bouge extrêmement bien, très fluide, un petit peu comme un petit chat d'ailleurs. Bah, justement, c'est le but, hein, c'est le but espéré de ce skin. Donc, heureusement que ça bougeait comme ça. Franchement, il est sympa. Faut voir comment on vise. Ah, quand on vise en vrai, ça reste sympa. On bouge un peu comme ça, ok. Ok. Franchement, très bien. Ok, quand on bouge. Non, franchement, sympa. Hein. Franchement, sympa. Ok. Voir quand on tire un peu. Ok. Non, franchement, c'est stylé. Pour le moment, nice. Et on va essayer de changer directement de couleur, tiens. Et franchement, c'est rapide. C'est nice. Et effectivement, ça change le sac à dos. Effectivement, ça change le sac à dos. C'est vraiment nice. Ça, c'est nice. Franchement, j'adore. Pour le moment, c'est un skin vraiment merveilleux. Et je pense que... Non, pas forcément avec le sac à dos, mais je pense qu'à mon avis, il y a des petits, des petites choses à faire quand même. Mais bon, après, ça dépend, parce que genre, ça dépendra... de la pièce d'XP, venir. Non, en vrai, ça dépendra également de votre skin et je sais pas comment on pourrait l'adapter. Surtout par exemple dans un défilé de mode ou je ne sais quoi d'autre. Et ben, je sais pas comment on pourrait adapter ce skin là. Vu qu'on peut changer de couleur tout le temps. Regardez par exemple, comment tu fais pour associer? Genre là, ok, c'est en violet, ça passe. Et du coup, le sac à dos il reste en violet, ça passe également. D'ailleurs, il y a quelqu'un là, bon, on va le laisser tranquille ou pas. Ou pas. Bon, j'ai réussi à faire un kill, c'est quand même enfin c'est quand même rare, mais bon, attends, non merci. Voilà, du coup franchement, comme je disais, je me paume un petit peu dans tout ce que je dis, je suis désolé les gars, mais comme je dis, regardez là, c'est violet, c'est à dire que quand on rechange encore une fois, ça devient par exemple rouge. Mais par exemple, le sac à dos, lui, ne change pas. Enfin, là, actuellement, le sac à dos, il est du même truc. Mais par exemple, si j'ai un sac à dos, je sais pas, moi, j'ai les épées de Deadpool. Bah, l'épée, elle va rester noire, tu vois. Elle va pas changer en même temps que moi. Donc, je sais pas trop avec quoi mettre comme sac à dos. Je sais pas trop quoi associer, en fait, à ce skin.
Si vous avez des idées de compos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, est-ce que ça change? Est-ce que ça change dans un ordre croissant? Est-ce que ça change exactement pareil tout le temps? Ok, bleu, au noir, violet, rouge techniquement. Ouais, ok. Bon, alors ça change pas dans un ordre aléatoire, ça change directement, comme vous avez pu voir, donc dans le même ordre d'où on a acheté le skin. Donc là, techniquement, on va retomber sur bleu. Voilà, après on va retomber sur noir, après ça va être violet, rouge, bleu, oh, nain, etc., etc. Vous avez compris le pattern si vous avez à peu près 2 QI de plus et que vous avez un QI supérieur à Bob l'éponge. Donc franchement, sans déconner, le skin il est nice, hein, j'adore. Faut voir qu'on fait une émote genre la chaise. J'aimerais bien voir le personnage assis et un petit peu plus de profil comme ça. Franchement, elle est sympa. Hein. Moi, je trouve ça nice. Moi, personnellement, dites-moi vos avis sur ce skin. Mais moi, je lui mets un bon, une 9 sur 10. Sachant surtout que l'émote est vraiment stylée. Moi, j'ai envie de faire un petit défi, par exemple avec Bokuni ou je ne sais pas. Mais faire un défi, genre faire top 1 en changeant de skill. Et enfin, en changeant de skin, de couleur de skin, à chaque fois qu'on fait un kill. Par exemple, hop, je fais un kill, bah tiens, je dois changer en même temps. Et ça se trouve, si on tombe sur une squad, bah le temps de faire les modes, je peux me faire dézinguer par les autres. Va falloir être un petit peu stratégique. Donc franchement, j'aime bien. Et du coup, on va essayer de finir la game. Et je vais vous proposer un petit gameplay en étant avec ce personnage. Allez, sur ce, je vous fais un petit rag movie ou un truc comme ça. Je vais vous mettre de la musique, un truc comme ça, je sais pas. Allez, à tout à l'heure.